Donc, cette exposition était réalisée à l'occasion de l'entrée de fonds privés relativement intéressants, notamment les petits carnets de l'abbé Galerand qui racontaient au jour le jour tout ce qui pouvait se passer. Alors, il racontait aussi bien ses ennuis de santé que les passages des camions et des voitures dans la rue de Nuit-Papin pendant l'exode. Il nous a permis d'avoir et le nombre de femmes tendues et leurs noms, alors que jusque-là, nous n'avions que très peu d'éléments sur cette période de l'histoire. Cette exposition a été l'occasion de présenter un fonds nouvellement classé sur les prisonniers de guerre et notamment le fichier de tous les prisonniers de guerre de Loir-et-Cher. Et les présente par commune, donc chaque personne ayant un prisonnier de guerre dans sa famille peut retrouver sa petite fiche avec des éléments sur le camp dans lequel il a pu être interné. Et puis ensuite, il y a des dossiers et des courriers d'échange de famille qui peuvent être consultés en salle de lecture.